sur le plateau du Big Deal. Il fait beau, il fait chaud, on va en profiter. C'est la soirée en blanc d'Eddie Barclay, c'est la soirée en blanc du Big Deal. Ça y est, alors tu te maries avec Eddie, ça y est, ouais, c'est fait. C'est secret, hein. D'accord, on attend la presse voyeuse. C'est un truc que t'as fait toi-même? Ben, ça fait un peu... C'est-à-dire que tu peux prendre quelques kilos, hein, t'as pris un peu d'avance. Bill, comment vas-tu? Très très bien, mon ami Vincent, je suis en pleine forme et je suis beau. Tu n'es pas en blanc? Non, je n'ai pas voulu, le blanc ne me va pas du tout, il me grossit. 5 deals, un big deal, on va tout de suite retrouver Rosa qui est partie à l'extérieur pour le fil rouge, car il s'agit d'un fil rouge, et on accueille pour commencer Stéphane. Merci les deals. Stéphane, bonsoir Bill. Bonsoir Bill. Et bonsoir à Hugo et Louis. Qui sont vos enfants? C'est mes enfants. Quel âge ils ont? 6 ans et 3 ans. Ah ben vous êtes très jeune. Oui. Vous êtes donc marié? Oui. À une femme? C'est mieux pour faire des enfants. C'est mieux, oui. Et faites quoi dans la vie? Je travaille dans une société de communication. D'accord. Vous êtes un sportif? Oui. Et il vous arrive de vous égarer dans la grandeur des choses? Vous avez vite fait de chercher une aiguille dans une meule de foin, vous? Oui, oui. Ça, c'est ce qu'on m'a dit. On m'a dit que dès qu'il y avait un truc qui n'allait pas, c'était tout de suite les grandes manœuvres pour essayer de... Tout à fait. C'est ça. Eh bien, je vais vous proposer de rechercher justement des aiguilles dans une meule de foin. C'est con comme jeu, hein. Bah oui, mais nous, ça nous fait rire. Oui. Alors, vous allez partir vers JB qui vous lève le bras. D'accord. Pendant ce temps-là, on va retrouver Rosa, que vous allez également retrouver. Rosa qui est en extérieur aujourd'hui puisqu'il fait beau et on en profite. Oh, ben ça va pour toi. Très bien. Bien, là, Rosa, que tu es belle. Je t'attends. La plus belle de toutes, mesdames et messieurs, Rosa. Bonsoir à tous. Est-ce que tu peux nous dire en deux mots ce qui va se passer? Bien, c'est très simple. Comme tu viens de le dire, Vincent, il va chercher des aiguilles dans une boîte à foie, sachant qu'il y a 24 aiguilles et chaque aiguille vaut 500 francs. D'accord. Comment il fait? Il est à quatre pattes? Il est non, debout? Non, il va être allongé ici. Hein, tu vois, là? Voilà. Ah ouais, et ça, il va être allongé. D'accord. Et il va le chercher de cette façon-là. Il va se balancer un petit peu devant, derrière. Okay. Je vais l'aider de toute façon. Non, non. Non, 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 non. Pas de ça chez nous, ma Rosa. Bonsoir. Il arrive, il est là. Il est là déjà. Je vous présente bien. Olivier et Rosa. Salut, Rosa, Olivier. Bah oui, tiens, baguette d'or. Je vous souhaite une bonne soirée, Olivier. Il y a plein d'argent à gagner. Rosa est là. Si vous avez quoi que ce soit, vous faites appel à elle. OK? À tout à l'heure. À tout à l'heure. Merci. Allez, on démarre. Le deuxième deal. Avant le deuxième deal, on va demander à Bill de nous dire un petit mot sur le Minitel. Mais bien sûr, mon ami Vincent, chers amis téléspectateurs du monde mondial des terriens, j'ai des choses à dire. Vous avez envie de gagner une voiture? C'est possible. Oui, ça l'est. Faites sur votre Minitel le 3615 code TF1. Ou alors, vous n'avez pas de Minitel. Ah, bon, alors dans ces cas-là, vous prenez votre téléphone et vous faites le 08 36 66 90 03. Tu es beau en jaune, tu es magnifique. Oh, que de flatterie. Notre deuxième deal nous demande d'accueillir Laurence. Bonsoir, Vincent. Laurence. Ça va bien? Ça va, bonsoir, Laurence, Bill. Bill, Bill, Laurence. Bonsoir, Laurence. Vous rencontrer sera donc ma chance. Merci. Oh. Faites quoi dans la vie, Laurence? Je suis étudiante. En quoi? En espagnol. À Caen. Vous êtes fiancée? Oui. Très bien, vous avez bien de la chance. Vous pratiquez un sport, un loisir, un hobby, quelque chose qui prend non, du non, temps? Non. Non, non, pas vraiment, non. Vous sortez par grand vent? Par grand vent? Non, non. Je reste chez moi. Ouais. Mais sinon, oui. Ouais. Parce qu'il y a un truc qui est toujours très marrant, c'est d'allumer un barbecue que par grand vent. Oui, oui, oui. Ouais. J'ai jamais essayé. Vous avez jamais essayé? Non, 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 pas vraiment. Si on essayait d'allumer un barbecue par grand vent? Pourquoi pas? Hein, on a oui. déjà essayé d'allumer une bougie par grand vent, vous allez oui. voir. Mesdames et messieurs, voici la tempête du Big Deal. Venez avec moi, Laurence. Ah, on va s'avancer un peu. Oh! Bon, qu'est-ce qu'il suffit là-dedans, ma Clarisse? Ah oui, t'allumes. Alors, le but du jeu, il est très très simple. Oui. Et je pense que, comme à l'habitude, Bill va vous offrir 1 minute 30. Oh, tu es fort. Je suis très fort. Oui. Le but du jeu, il est très simple. En 1 minute 30, vous prenez un objet par un objet et vous l'amenez jusqu'ici. Mais il faut impérativement que ça soit allumé. OK? Sans quoi, si elle s'éteint en cours de route, il faut retourner là-bas et la réallumer. OK? D'accord. C'est tout simple. Oui. D'accord? Bill,
Que va gagner notre ami Laurence chaque fois que la bougie sera ouverte, allumée? Ne me dis pas qu'elle veut des sous. Ah si, bah veut du pognon, hein. Bon, d'accord, d'accord, alors je vais vite donner 1500 francs. Ouvrez la porte et faites un peu de vent. Attention. Ah oui, ah bah, ah, mais c'est déjà éteint. C'est déjà éteint. Prenez un flambeau, vous verrez, ça encourage. Laurence, oui, prenez un flambeau pour commencer. Protégez-le bien. 1 minute 30, top, c'est parti. Allez, protégez bien la flamme. Hein. Voilà, allez-y vite, allez-y vite. On a déjà 1500 francs. Non, Vincent, tu n'as pas le droit de faire ça. Je ne l'ai pas aidé. Tu as coupé le courant d'air. Vous jouez avec quoi maintenant? Les hippos. Les hippos, le briquet. Allez, allez-y. Collez-le contre vous. Ouais, c'est gagné. On est à 4500 francs. Le deuxième. 4500. Ah, il est éteint. On vient ici, on le rallume. Allez, hop, on le rallume. Voilà. Attention, Vincent, 45 secondes. Non, on arrête. Il veut pas. Il veut pas? Ah non. Comment ça, il veut pas? Mais si, il veut bien. Bill, on a gagné 4500 francs. Oui, Vincent. Et on a dépassé 45 secondes. Soit vous tentez 1, 2, 3, 4 objets supplémentaires, à savoir 6000 francs supplémentaires. Soit vous arrêtez là et vous prenez le rideau. Non, je continue. Vous continuez? Oui. Vous le sentez comme ça? Oui, oui. On continue? Ouais. On va se faire un peu de mal? Allez, 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 le rideau. Oh là là, Laurence, quel dommage de perdre ce souvenir impérissable, c'est-à-dire une belle boîte d'allumettes d'une valeur de 8 francs. Bill, okay. Combien de temps il reste? 45, 43? Il reste certainement 44 secondes. 44 secondes, ok? Oui. D'accord. Allez, remettez un peu de vent et c'est reparti pour 42 secondes. Ah putain, merde. Comment ça, ah putain, merde? Allez, tentez la bougie. Collez-la contre vous, contre vous. Non. Comme ça, comme ça, comme ça. Comme ça, ouais. Allez-y. Voilà. Ouais. Ouais. Ah. Allez pas vous brûler, S. Vincent, pour la vie, Vincent. Non. 20 secondes. On va pas y arriver, Laurence, on va pas y arriver. Il y a le gâteau d'anniversaire. 15 secondes. Oh, c'est bien. Oh, ça va être très dur, ça. Ouais. Voilà. Il reste 15 secondes. 10. Allez, le zippo, on y arrive, là, le zippo. 6. 5. 4, 3, 2, 1, terminé, stop, terminé, oh, terminé. Oh, c'est ballot, comme dirait Fabrice. Oui. Oh, c'est ballot. Oh, c'est ballot. Donc 4500 francs ou le rideau? Moi, je vais essayer le rideau. Là, sur ce coup-là, vous allez essayer le rideau. On va essayer le rideau sur ce coup-là. Hein. On va essayer. Eh ben, rideau! C'est un choix fort judicieux car vous partez en rêve. Regardez l'écran, vous partez dans une île magnifique, un pays de rêve qui s'appelle la Guadeloupe. Vous allez partir pendant 10 jours en Guadeloupe. Vous découvrirez le paradis sur Terre et vous le découvrirez avec Bill. Car Bill, c'est extraordinaire, vous accompagne dans ce voyage de rêve qui vaut quand même 20 600 francs. Merci. Passez par l'escalier, on se retrouve tout à l'heure pour le Big Deal. Merci Laurence. Merci Macari, salut. Allez, on va aller faire un petit tour dehors avec ce beau temps. Rosa, m'entends-tu? Bien sûr, je t'entends, Vincent. Chérie, tu es belle. Merci, t'es pas mal une, non plus. Tu as une bretelle qui commence à descendre, là. Non, ça... mais c'est le charme, c'est actuel. Il faut que tu comprennes ces choses-là. Oui, 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 d'accord. OK, d'accord. C'est le charme, c'est actuel. D'accord. Bon, Vincent, c'est un petit peu de sérieux dans cette histoire. Alors, nous avons 5 aiguilles, 2500 francs. D'accord. D'accord. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Le troisième deal, eh bien, j'appelle Laurent pour venir jouer avec moi. Laurent. Laurent. Salut Laurent. Bill, Laurent, Laurent, Bill. Bonsoir, super Bill. Bon, bonjour Laurent. Belle coupe bonsoir de cheveux, public. Laurent. Merci. Vous faites quoi dans la vie, Pascal? Je travaille dans un parc d'attractions. Vous êtes dans quel coin de la France? Ben, j'habite à Noisy-le-Grand, mais je suis née dans le midi de la France, à Arles. Vous chantez? Je chante un peu, oui. Ouais, chante un peu. J'aime bien ça. C'est vrai que
Moi, j'aimerais bien qu'un jour, un Provençal comme vous arrive en disant « Je vais vous chanter une chanson » et il nous fasse un « Caio piccione, mai mer mi brallato, caio piccione, mai brallato piccione ». Tiens, on n'a jamais eu ça. Non. Allez, on chante quoi? On va essayer New York, New York. Ouf! Pa 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 ba da pa 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 ba da pa 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 ba da pa. Start spreading the news. I'm living today. I wanna be a part of it. In all New York, if I can make it there, I'll make it anywhere. It's up to you, New York. C'est Ramucho. Ah oui. Eh bien, lui aussi, il start from New York. Mesdames et messieurs, Ramucho! Bonjour tout le monde, les gens. Salut, Ramucho. Tu vas bien? Je vais bien. Laurent. Bonjour, Laurent. Tu vas bien? Oh, je vais bien, merci. Hey, ça va, tout le monde, le public? Eh ben ça va les filles. Bonjour, ça va bien. Bonjour Bill. Salut mon copain Ramucho, ça va? Tu vas bien? Quoi neuf? Oui. Eh ben tu sais, aujourd'hui je vais vous parler de certains mots. Hein. On va commencer par le mot cœur. Il faut en avoir. Alors bien sûr, on croit qu'on va se moquer. Non, pas du tout, parce qu'on lit cœur alors qu'on a... Alors qu'on n'a rien pris d'alcoolisé, tu vois, hein, d'accord. Alors après, on va parler de... Alors le rose, par exemple, la couleur rose, c'est gay. Alors que le mot rose, c'est triste, tu vois, c'est pas gay, le mot rose. Hein, tu vois, d'accord. Ah, ouais. Ça suit, bon. Ouais. Alors, ah ben oui, faut suivre aussi, hein. Ouais, alors ouais. Après, on va parler des cheveux. Alors on dit les cheveux ou les tifs. Alors ça, c'est quelque chose d'important pour nous, Vincent. C'est un motif important, hein. C'est vrai. Et alors, maintenant, on va parler du mollet. Hein. Alors, ils vont souvent par deux. C'est même deux gros mollets, hein, t'as vu, hein. On voudrait pas voir les cuisses qui vont avec, hein. Alors ensuite, je me suis trompé. Alors on fait comme ça, on retourne. Oula, je suis dans un merdier. on va parler des momies, hein, qui vont toujours en bande, hein, tout comme ça. Ensuite, on va parler de Bill. Je vais parler de toi parce que c'est le mobile, alors qu'il est toujours fixe, hein. Regarde, on voit bien, hein. Et bien sûr, si on parle de mobile, on est obligé de parler de billettes. Hein. Alors, les billettes rouges, les billettes jaunes, et sous les mobilettes, il peut se cacher des scooters. Alors, je vais terminer par les motos et les taretos. Alors, dès qu'on voit les motards, les motos sont pas loin. Hein. Vous avez joué de quoi aujourd'hui? Aujourd'hui, j'ai joué de la flûte andine. De la flûte andine. À quelle heure? Ne me demande pas. D'accord. Trois, un cadeau chaque fois, un grand chelem possible, espéré et souhaité. Aujourd'hui, j'ai rencontré l'homme de ma vie. Oui, c'est bien. Mais c'est la chanson. Oui. Alors, est-ce que Bill va se contenter de « Aujourd'hui, j'ai rencontré l'homme de ma vie » La manière dont c'était joué était tellement difficile que moi, je l'accorde. Merci, Bill. Moi, j'ai trouvé que tu avais bien joué. Bah oui, qu'est-ce qu'il a? Je vois pas pourquoi tu critiques l'interprétation de Ramucho. Tout le monde avait trouvé « Aujourd'hui, j'ai rencontré l'homme de ma vie. » Allez, lequel on prend? J'aime bien le bleu, je vais prendre le bleu. Vous aimez bien le bleu ou vous aimez bien Lynn? Aussi. Eh ouais. Lynn, chérie. Eh ouais. Et voilà, vous l'avez gagné, le plateau de Bill. Le plateau de Bill avec des barres biscuitées pleines de céréales, de vitamines. J'en ai besoin. Ça vaut quand même 73 francs, c'est un très bon départ. Pardon, un deuxième. La Java de Broadway. C'est la Java de Broadway. Comme tu veux. Oui. 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 O
Voilà. Ah, ça, c'est un bon choix. Ça, je sens que vous avez fort bien choisi. Oui, oui, vous gagnez un caméscope numérique d'une valeur de 4 990 francs. Il est bon, il est maintenant à vous. Bien. Un dernier, c'est le grand chelem. Ben, on va essayer. Allez, Armucho, appliquez-vous. Aujourd'hui peut-être, ou alors demain. C'était les sabots d'Hélène. Les sabots d'Hélène, oui. Les sabots d'Hélène. Allez, Laurent. Faut éliminer. Ce que vous voulez, hein, maintenant c'est pas gagné, de toute façon c'est perdu. Donc, Laurent, allez, Clarisse, je sens que t'as envie d'éliminer. Oh, c'est lourd ça. Oh, dommage. Eh oui, dommage, oh, effectivement, dommage. Car cette montre magnifique aurait pu être vôtre. Elle est superbe, mais il faut la remettre. Oui, non, mais tu la remets parce que je te connais, t'as tendance à prendre les trucs. Ah, mais bon, elle est un peu grande pour moi, mais. Elle vaut 3300 francs. Ah, ouais, quand même. Ah, oui, quand même, oui. Elle est très belle. Il y en a pour combien, Bill? Alors, il y en a exactement pour quand même 5063 francs. Eh oui. Ah. Les 63 francs, c'est le plateau au repas. D'accord. Qu'est-ce qu'on fait? On garde ou on rejoue? Ah, moi, je suis à votre place, c'est ce que je ferais. C'est vrai? Ouais. Eh bien, on va faire le rideau. Alors. Allez, rideau. Hop, rien pour jouer. Et derrière le rideau, il y a cette magnifique échelle IFI, extraordinaire de précision, et elle est tellement belle, avec une collection de CD, et tout cela vaut 14 529 francs. À la bonne heure. C'est superbe. Ça vous, ça vous permet d'avoir une bonne place au Big Deal. Ah oui. Laurent, passez par l'escalier, merci de votre visite, on se retrouve tout à l'heure. Tout à l'heure. Merci. Ramucho, à tout bientôt. Oui, à bientôt, oui. Merci d'être venu. Oui, bah, c'était un plaisir. Et encore bravo. Ah, bah, c'était gentil, ça. Bill, un petit mot, non, rien, tout va bien. Je t'aime. Rosa. Oui, Vincent. Es-tu dans une tenue décente? Je suis dans une tenue décente. Fort bien. Alors, 14 aiguilles, 7000 francs. Sur combien d'aiguilles? Sur 14. Il y en a combien en tout? Il y en a 24. 24, ok. D'accord. D'accord? Ok. On se retrouve, Rosa. Merci. Stéphanie est appelée pour le jeu de Bill. Stéphanie. Bonsoir, Vincent. Vous allez bien? Ça va bien. Bill, Stéphanie, Stéphanie. Bonsoir, Bill. Stéphanie, enchantée, vous êtes ravissante. Oh, merci. Vous faites quoi dans la vie, Stéphanie? Je suis étudiante. En quoi? Je prépare un doctorat de biologie. D'accord, pour devenir biologiste. Voilà. Ouais. Vous connaissez le jeu de Bill? Oui, je connais. Oui. Avez-vous la... Y a-t-il un heureux élu dans votre cœur? Même pas. Même pas. Non. C'est très bien, c'est très très bien. Allez, on va découvrir quoi donc aujourd'hui, Bill? Arrête de lui faire les yeux doux. Elle est intéressée par ses études et non pas par la visite des extraterrestres et des autres galaxies. Oh, quoi bon. Quoique. Oh, elle l'a dit! D'accord. Allez, vous allez faire passer le fil par la déchirure qu'on a fait dans votre veste, voilà. Cet effet. Bill, qu'est-ce qu'on découvre aujourd'hui? Aujourd'hui, mon ami Vincent, je te propose de découvrir un métier. Un métier, d'accord. Oui. Ayant un rapport avec la biologie? Non, pas vraiment, d'accord. Peut-être, je ne sais pas. 10 000 francs si vous trouvez grâce au premier indice. On est parti, on écoute. Et on vous demandera de vous taire après l'énoncé de l'indice car ça nous gêne pour la concentration. Merci. Donc, je suis un arbre tropical qui produit le kapok. Chut, dis rien. Non, dis rien. Un arbre tropical, c'est un métier, hein. Donc là, c'est un rapport avec un arbre tropical qui fabrique le kapok. Donc, il faut déjà savoir qu'est-ce que c'est le kapok. Moi, je connais le kapok à la belote, mais c'est pas le même. On écoute un deuxième indice et on joue pour 9000 francs. Elle est partie. Alors, deuxième indice. Je suis un plat troué qui permet l'égouttage. Alors, c'est un plat troué qui permet l'égouttage. On cherche un métier. C'est aussi un arbre qui fait le kapok. Troisième indice. Aucune idée. Et puis, dans le public, il n'y a rien. Hein. Ça va... Si, il y en a qu'on trouvait. Je suis passé maître dans l'affinage. Je suis passé maître dans la finale. Ah, je vois pas
L'ajusteur, ça donne pas le capoc. Et c'est pas un plat troué. Bon, on va écouter le dernier indice. Le faut voilà. Trouver, là, hein, faut trouver. Dernier indice. Oui. J'utilise le lait comme matière première. Très joli. Un crémier. Un crémier. Un crémier. Oh là 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 là, donnez-moi vite une autre réponse. Allez, vite, vite, vite. Un fromager. Un fromager. Oh là 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 là, sur le gong, sur le gong, sur... J'ai rien dit. J'ai pas dit que je l'acceptais, mais je l'accepte. Allez, ah. Merci, Bill. Oui, alors non, attends, vas-y, vas-y, vas-y. Oui, le fromager donne le capoc, ça c'est l'arbre. Oui, c'est une matière qui sert à bourrer les coussins. Bon, oui. Je suis un plat troué qui permet l'égouttage, bah, c'est le fromager, où on met le fromage et ça égoutte le lait, tout ça. Bon, bah, très bien. Je suis passé maître dans l'affinage, eh ben, l'affinage de fromage. J'utilise le lait comme matière première, le fromage vient du lait. Ouais, je suis pas convaincu du troisième indice, moi. Bon, si on affine le fromage... On affine le fromage. Allez, toujours est-il que vous avez gagné 7000 francs. Enlevez votre casque. 5000. 5, non, 7000. Ouais, 7000. D'accord. Oh, quel rat, celui-là, alors. Vous avez 7000 francs sur votre compte ou la possibilité de les rejouer contre le rideau ou contre l'écran. Je crois que je vais les garder. 7000 francs, vous les gardez? Moi, je vous comprends en tant qu'étudiant. Cela dit, vous avez une voiture? Non. Non. La voiture n'est toujours pas passée, hein. Ouais, je sais bien, mais... Alors, on garde ou on rejoue? Non, je garde. Vous gardez vos 7000 francs, regardez ce qu'il y avait derrière le rideau. Oh là 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 là, les bonbons de Bill étaient cachés derrière le rideau. Il y en avait pour 200 francs, comme tu d'habitude. Tu veux laisser ça, toi, là-bas? Tu ouais, veux remettre ouais, ça? Tu remets bonbons. Ça dedans tout de suite? Tu les remets bonbons. Ça dedans ou tu les partages avec moi? Et avec le public. Regardez ce qu'il y avait dans l'écran, là, ça fait mal. Oui, ça fait très mal parce qu'elle est derrière l'écran, la fameuse voiture. Et oui, il fallait jouer l'écran. Regardez, la porte du coffre, la porte du coffre s'ouvre. Et cette voiture magnifique valait 58 400 francs. Alors, on lève la main et on fait adieu la voiture. Au revoir, la voiture. C'est ballot. Oui, c'est ballot. Bon, allez, c'est pas grave. Il y en a une autre à gagner au Big Deal. Vous passez par l'escalier et on se retrouve tout à l'heure. Allez, un petit coup de téléphone, on vit dangereusement. Y a-t-il quelqu'un qui m'entend et qui m'aime surtout ce soir au bout du living? Allô? Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir. C'est Ghislaine, c'est ça? Oui, exactement. D'accord. Bonsoir, Ghislaine. Bonsoir. Vous faites quoi dans la vie, Ghislaine? Plus grand-chose, je suis retraitée. Très bien, c'est ce qu'on m'avait dit. Et votre prénom? Ah, vous êtes bien curieux, vous voulez tout savoir. Ah bah, alors, Ghislaine... mon prénom, c'est Marie-Josée. Marie-Josée. Voilà. Marie-Josée, vous êtes retraitée de quelle profession? Agricultrice. Oh, la bonne heure. Paysanne. Oh, bah écoutez ça... Ce sont les gens les plus heureux. Je vous pose une question qui peut vous rapporter 5000 francs si vous me donnez la réponse après la pub. Oui. Quelle plante... Pour vous, c'est cadeau. Hein. Ça devrait être. Quelle plante a le même nom que la porte la plus célèbre des contes des mille et une nuits? Facile, vous allez trouver ça très facilement. Il faut renchauffler un petit peu. Oui. Marie-Josée, je vous propose de vous retrouver dans quelques instants après la pub. Allez, pub! Le Big Deal, ça change tout avec Monsieur Meuble. Téléspectateurs, retour sur le plateau du Big Deal. Nous sommes avec Marie-Josée au téléphone. Marie-Josée, oui. Avez-vous eu le temps de trouver quelle plante a le nom le plus connu de la célèbre porte des mille et une nuits dans le désordre? Oui, ben, ça pourrait être millepertuis ou millefeuille. Quelle plante a le même nom que la porte la plus célèbre des contes des mille et une nuits? Vous me répondez, Marie-Josée? Millepertuis. Vous me dites le millepertuis. Oui. Ça se mange, ça? Je ne pense pas, non. Quelqu'un dans le public avait trouvé? Le sésame. Sésame, ouvre-toi. Ah, oui, Marie-Josée, alors. Sésame, ouvre-toi. Oui. Marie-Josée, je suis désolée. Vous ne gagnez pas les 5000 francs? Eh bien, tant pis. Je vous souhaite quand même une très bonne soirée, Marie-Josée. Merci d'avoir appelé. Mais ça a été avec plaisir. Merci. Au revoir. Au revoir.
Pour notre cinquième et dernier deal, un jeu d'élastique interprété par un duo de choc que je vous demande d'accueillir. Agnès et Patrick. Yo. Bonsoir Agnès. Bonsoir. Vous allez bien? Ça va. Bonsoir. Bonjour Patrick. Bill. Bonsoir Vincent. Soyez les bienvenus. Bonsoir Bill. Bonsoir Patrick. Bonsoir Agnès. Mariés tous les deux? Oui, oui. C'est bien. Des enfants? Trois. Trois enfants. Vous n'avez pas perdu de temps, vous, n'est-ce pas? Trois gamins. N'est-ce pas? Avec un métier en plus? Moi non. Ouais, faut savoir calmer le jeu un peu. Un petit peu, oui. Et vous, faites quoi dans la vie? Je suis gendarme. Gendarme? Dans quel coin de la France? Merci. À Aurillac. C'est rare, merci. Ça c'est rare. Très rare, très rare. Et c'est rare et c'est bien, ça change et c'est bien. Je vous remercie tous. Vous êtes dans quel coin, gendarme? À Aurillac, dans le Cantal. Vous avez un grade, vous avez quelque chose? Oui, je suis chef. Ah ben, chef. Oui, chef. Ah, chef. Vous avez déjà fait du saut en élastique? Absolument pas. Jamais? Jamais. Vous non plus? Ah non, non. D'accord. Donc, on va rire. Oui, je crois. Voilà. Le but du jeu, il est très simple. Rappelez-moi votre prénom. Patrick. Patrick, c'est ça. Patrick, vous allez venir ici. Oui. Viens dès, Patrick. Voilà. Alors, le but du jeu, il est très simple, pardon. Vous allez prendre la position, ici, de cette figurine pré-incrustée dans ce mur. OK? Et vous allez faire face au public. Donc, vous regardez bien là, comment est la forme, là, comme ça. Donc là, vous voyez, c'est que ça, que ça. Voilà. Vous n'aurez pas l'Alsace et la Lorraine. Enfin, là, ça fait plutôt... Hein. Vous n'aurez pas... Hein? Alors la gendarme va se mettre comme ça. Oui. Voilà. Oui. Bon, demain, merci. À la caserne, c'est pour vous. Je crois. On dit une caserne? Oui, on dit une caserne. Une caserne, tout une à caserne. Fait. Ouais. Alors, vous vous mettez dans cette situation, dans cette position, oui. Vous rigidifiez et vous ne bougez plus. D'accord. Ensuite, on vous fait monter. Oui. Et votre charmante épouse devra arriver à vous faire rentrer dans cette position en moins de, Bill? 15 secondes, 15 secondes. 15 secondes quand vous êtes pendu, vous avez 15 secondes pour rentrer dedans, c'est votre dame qui doit vous rentrer, ok? Ok. Si vous y arrivez, Bill vous offrira... Beaucoup de sous. Beaucoup de 3000 sous. 3000 francs. 3000 francs. Ouais. Ok? Il y a trois figurines, 9000 francs à la clé. Ok? Très bien. 15 secondes la première, 15 secondes la deuxième, et après je vous propose un deal. Ok? D'accord. Rigidifiez, fiez-vous, ok? Vous avez tout bien rangé là? Oui. Ouais, ok. Difficilement, mais... On va l'entendre tout de suite, hein. Oui. S'il y a un grand cri de douleur, c'est qu'il y avait un truc à merder quelque part. Oui. Allez, faites-le grimper. Oh. C'est bon, ça le fait. Voilà. Vincent. Voilà. Oui, Bill. Je me permets d'insister sur un point du règlement. Il faut vraiment que la position soit parfaite pour que je donne les 3000 francs. D'accord. On est bien d'accord là-dessus. L'équilibre ne l'est pas, par contre. Non, mais vous le tenez, là. Allez, et mort de rire. 15 secondes, top, c'est parti. Allez, il faut le mettre dedans. Oui, 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 voilà, voilà, on y est. Bravo. Ah oui, c'est bon, regardez. Ah, il y est, là. Je t'accorde. Allez, on va vous redescendre. Venez, approchez-vous. Non, vous pouvez, accrochez-vous, là. Hein, c'est... Oh, le nez dans les élastiques et tout. Oh, j'ai été au Big D, c'était super. Allez, deuxième figurine. On rejoue pour 3000 francs supplémentaires. Avançons-nous un petit peu. Voilà. Oh, ben elle est encore plus guette. Ouais, Kata! Kata! Allez, Kata! Bon, même punition. J'ai fait souvent celle-là, ça peut être. Ah oui. Elle nous en avait beaucoup parlé, Agnès. Je m'en doute. Allez, reprenez la position. Faites-le grimper. Tu me tiens. Oui, mais tenez-le, allez-y. Tenez-le. D'abord, c'est le vôtre. Hein. Vous avez plus l'habitude que moi. Voilà. Allez-y. Tiens-moi. Allez-y. Allez, 15 secondes, top, c'est parti. Oui, oui. Faut relâcher un petit peu. Oui, on y est presque. On y est. Faut descendre un petit peu. Voilà. On y est pas encore. 5 secondes. Vite, 5 secondes. On n'est pas dedans. Ouais. Terminé. C'est terminé. Allez, redescendez. Bon. Vous avez gagné 6000 francs. 6000 francs. La dernière figurine, on vous donne 20 secondes. Pour la dernière figure, c'est 20 secondes au lieu de 15. Vous pouvez remporter 9000 francs ou vous laissez tomber d'ores et déjà et vous prenez le rideau. On peut voir la figurine avant. Ah non. Continue. Oh, ben, de toute façon, c'est lui qui prend les risques. Hein. On continue. Monsieur est courageux. Je vous propose de regarder ce qu'il y avait derrière le rideau.
Ah là 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 là, quel dommage de perdre cette magnifique chaîne stéréo d'une valeur de 9 990 francs. Bon. La musique aurait adouci les mœurs et tout serait entré dans l'ordre. Au pire, allez, si vous faites les trois figures, vous perdez 900 balles, quoi. Hein, 9 000 francs, là, c'était 9 900. Mais cela dit, après, il y a encore un deal possible. Hein. OK? D'accord. Allez, approchez-vous allez, un petit peu. Bien. Je vous propose de regarder la dernière figure. Voilà, c'est une figure imposée. Ah, je vous ai laissé le choix, hein. Cela dit, c'est jouable, hein. Allez, je vous propose de prendre la position, hein. Donc c'est un bras en l'air, l'autre en oblique, ouais. Comme ça. Et, non, c'est l'autre. Voilà, c'est le négatif, OK. Allez-y, grimpez-le. Enfin, c'est encore une expression, ça. Hein. Voilà, allez-y, voilà. Encore un peu, voilà, vous êtes devant. Encore un peu, c'est pas assez, là. Voilà, OK, on est bien, là. Bien, alors, le demi-tour, vous allez vous débrouiller pour le faire faire, hein, parce qu'on D'accord. part comme ça, nous, hein, OK. Et pour celle-là, vous avez 20 secondes. 20 secondes. OK. D'accord. Attention, top, c'est parti. Allez, allez, demi-tour. Allez, demi-tour. Demi-tour, oui, voilà. Ah, faut l'aider, hein. Faut le rentrer dedans. Faut le rentrer dedans. Allez. 10 secondes. Il reste 10 secondes. La moitié est faite. Allez, 6, laissez-vous partir 5, en arrière. 4, 4 3, 2, 2 1, terminé. Ah non, je ne peux pas. Ah non, je ne peux pas. Il y a le genou qui dépasse. Eh oui, ce n'est pas accepté, Vincent. Vous avez le genou qui le dépasse. Remontez-le un petit peu. Montez un petit peu. Montez un peu. Montez un peu. Et voilà, c'était ça, là. Ah, c'est l'alstick qui était pas assez haut. Oui, ça va être de notre faute. Descendez. Descendez, descendez. Voilà. Voilà. OK. Bon, Bill, résultat des courses. Eh bien, écoute, mon ami Vincent, le genou n'était pas en place. Et surtout, la tête ne l'était pas non plus au moment du gong. Ah non, je suis désolé. Il y a le gendarme qui vient de me demander si je savais où était garée ta voiture. Je lui réponds ou... S'il veut courir après une soucoupe qui vole et qui s'amuse, hein. 6 000 francs. 6 000 francs ou le rideau. La voiture est déjà passée, hein. Cela dit, ils sont assez fous pour en mettre deux, hein. On garde et on passe au deal. Ah, attendez, parce que le deal, il y a une charmante demoiselle qui a gagné 7 000, donc vous aurez au minimum en deuxième. Il y en a un qui a pris... Il y a le voyage, donc vous êtes troisième. Il y a le fil rouge qui a déjà au moins 10 000 balles, donc là, vous êtes quatrième. Allez savoir, vous allez peut-être être totalement à la ramasse, hein, sous ce coup-là. Je fais pas monter la pression du tout, hein. Absolument pas. Qu'est-ce que vous me conseillez, Vincent? Moi, honnêtement? Honnêtement. C'est pas pour ça qu'il faut suivre mon conseil. Ah non? Moi, je prendrai le rideau. Le rideau. Ah oui, non, mais... Ce sera votre faute, de toute ah façon. Ah ben, t'as pas, non, alors. Rideau. Le rideau. Ouais. Agnès. Si c'est pas bon, on vous met à la place. Prenez pas le rideau. Allez, choisissez, vous prenez... Non, c'est à vous de décider. Hein. Le rideau. On est là pour jouer. Le rideau. Rideau. Ils sont fous, ils sont inconscients, ils sont jeunes. Et pour des jeunes, il faut une casquette de rappeur d'une valeur de 49 francs que je leur offre avec tellement de plaisir. Ah, bien joué, pour ce vidéo. Et maintenant, ah ben voilà. Je l'annonce, c'est officiel, vous êtes dernier au Big Deal. Voilà, alors là, c'est sûr, là, hein, dernier, ouais. Vous serez dernier, et même avec le fil rouge, vous serez dernier. Pas hein. De problème. Voilà. Bon, on n'est pas déçus. Ravi d'être venu. On a joué. Merci. On se retrouve tout à l'heure au Big Deal. Merci de votre visite, je vous en prie, passez par l'escalier. Merci à vous. On va terminer le fil rouge. On va appeler Rosa une dernière fois. Rosa, ma belle, m'entends-tu? Es-tu là? Oui, je t'entends. Oh, ce Santé. Sourire. En plus. C'est magnifique. Alors, Vincent, c'est vraiment très, très bien. Il a trouvé 23 aiguilles. Il a gagné 11 500 francs. Et il y en avait 25. 24. Il lui en manque une. Il manque une. On attend 30 il cherche, secondes. Il cherche. Cherche, papa. Elle cherche l'aiguille. Où est l'aiguille? Il va la trouver dans le foin. Allez, on est obligé d'arrêter. C'est terminé. Relevez-vous. On vous applaudit. Bravo. 23 aiguilles sur 24. 11 500 francs. Santé, Olivier. Bien, Rosa, je te propose de le raccompagner jusqu'ici. Et pendant Avec ce temps-là, plaisir. Bill va nous dire ce de quoi qu'est-ce qu'il en retourne, pendant que pourvu qu'il y en ait assez. Ensuite, on fait le big deal, puis après, on va bouffer.
Oh bah tiens, excellente idée. Alors je vais essayer d'être rapide. Chers amis téléspectateurs du monde mondial des terriens, vous le savez, tous les finalistes du Big Deal, même ceux qui ont la casquette de rappeur d'une valeur de 49 francs, ont gagné un abonnement de 1 an au magazine Télé Loisirs. Que voilà, ça va toi, la patate Télé Loisirs. Et toujours grâce au magazine Télé Loisirs, vous pouvez gagner, là je vous parle à vous, un séjour au Maroc. Oui, et regardez, il va apparaître. Est-ce que c'est beau le Maroc? Il vous suffit de résoudre l'énigme dont voici l'indice. Je suis un état indépendant depuis 1956. Ah, c'est pas très facile. Si vous avez trouvé, néanmoins, pour participer au tirage au sort, envoyez très vite votre réponse sur le bulletin. Tu t'embêtes? Oh, pardon. Non, c'est pas grave. Non, c'est très bien élevé. Tu as eu raison de le faire. Votre réponse sur le bulletin Télé Loisirs ou sur papier libre à l'adresse qui est... Si jamais tu fais ça, je te préviens, je te parle plus pendant 2 semaines. À l'adresse qui est indiquée juste devant moi. Voilà. Et maintenant, je vous suggère de le retrouver, le très beau et sémillon Vincent Lagaffe. Bien. 11 500 francs. Bien. 45 minutes roulées dans les foins. C'est pas mal. Hein. Avec une très belle jeune fille au-dessus de vous. Tout à fait. Génial. Tout à fait. Bonne soirée dans l'ensemble. Très bonne soirée. Bon, Stéphane, le rideau ou 11 500 francs? Ou l'écran? Regardez. Ou l'écran? Regardez. Vous gardez? Oui. L'écran, le rideau? Je garde. 11 500. Regardez s'il y avait derrière le rideau. Derrière le rideau, puisque vous aimez les aiguilles dans les bottes de foin, il y avait ce magnifique petit hérisson d'une valeur de 490 francs. Jusque-là, on a bien fait. Par contre, ça risque de se corser avec ce que Bill avait caché dans l'écran. Bill... Bill, oui, c'est moi. Et j'étais cachotier, car je vous suggérais de partir en Chine. Oui, la Chine. Pendant 8 jours, vous auriez découvert ce qui fait le charme secret de la Chine, c'est-à-dire manger du poisson, par exemple. Ou de découvrir la cité interdite, que voilà, ça valait 21 200 francs. Dommage, la Chine. Bon, rien n'est perdu. 11 500 francs, peut-être une voiture. Venez avec moi et laissez entrer la barre du Big Deal. Oui, maintenant, on peut l'avancer, c'est le Big Deal. Avec en première position la somptueuse Laurence qui a gagné un séjour en Guadeloupe à 20 600 francs. Deuxième position, Laurent avec 14 529 francs. Troisième position, Stéphane. Les aiguilles lui ont rapporté 11 500 francs. Quatrième position, Stéphanie avec 7000 francs. Et enfin, dernier, nos amis, mes amis à moi qui ont gagné 49 francs. 49 francs. Ouais. Cela dit, hein, on a vu des candidats avec un paquet de nouilles à 9 balles partir en bagnole. Hein. Oui. Oui, ça s'est vu, hein, une fois, en 300 émissions. À nous, avec ce regard glacé, plein d'amour. Content. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que vous avez gagné? Un voyage en Guadeloupe? Oui. Pour partir avec votre fiancé qui vous attend et qui nous regarde de Caen. Voilà. Voilà. Et qui se dit, ah, quand les vacances? Je vais garder. Partez avec lui? Je sais où, oui, je pense. Oh, il y a un doute. Gaffe à la maison, elle a douté à un moment. Hein. Merci d'avoir été avec nous, merci d'avoir été aussi sympathique. Merci à vous. À nous. Vous avez gagné un caméscope. Une chaîne ici. Et vous l'avez rejoué contre une chaîne, voilà, à une patate et demie. Eh oui. Eh ouais. Vous gardez votre chaîne? Je garde. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. Notre chercheur d'huile, il a plein de poussière sur les lunettes. Les lunettes, ouais. Vous voulez un torchon, un chiffon? Non, pour mettre un coup sur la vitrine, là, si vous voulez. 11 500 francs. Je vais garder. Vous le voyez comme ça? Ouais. C'est vrai? Je vais garder. 11 500 francs. Merci d'avoir été avec nous. Merci, Vincent. Rappelez-moi votre prénom. Stéphanie. Stéphanie, vous êtes entièrement célibataire? Oui, oui. Pas de petite amie, rien? Non, rien. Ok, super. Qu'est-ce qu'on fait avec... avec cette... 7 000 francs. 7 000 francs. Ça vous permet de belles soirées, hein? Et puis là, avec 7 000 francs, les fiancés, vous allez voir, ils vont arriver comme ça. Ils vont arriver. Oh, je joue. Vous rejouez? Je joue. Vous rejouez? Je suis désolée. C'est le jeu, c'est bête, c'est comme ça. Vous allez retourner dans le fin fond de l'Auvergne. Oui. On a passé un bon moment. Oui, oui. Et puis, si on a l'occasion de se croiser sur les routes... Pas de cadeau. Non. Mettez la casquette. Ok, super. Merci d'avoir été avec nous, merci d'avoir été sportif et merci de nous avoir fait passer ce joli moment. Restez avec nous, passez devant, décalons-nous un petit peu. Et voilà. Lumière, Gabriel. La sœur avec la pomme. Le frère dans la lune.
et le sapin de la mer. Voulez-vous que vous fassiez un petit sondage rapide? Oui, tout à fait. Alors, à main levée, qui prendrait la sœur? Qui prendrait le frère? Qui prendrait la mère? Qui n'en a strictement rien à foutre? D'accord. Qu'auriez-vous pris? La mère. La mère. Le frère. Le frère. Le frère. Le frère. Le frère. Le frère. Ok. J'élimine le frère. On élimine le frère. Et c'était pourtant le choix de nos amis Patrick et Agnès, alors ont-ils eu raison? Derrière mon petit frère Toyoyo se cachait la tisane de mille, d'une valeur de 262 francs. Vous auriez gagné 150 balles, mais bon, pas de regret. La sœur ou la mère? Tout est là. Tout est là. La sœur, la mère. Vite. Tout de suite. C'est le premier qui va être bon. C'est le premier qui est bon. Je le sens comme ça. Là. Ce que vous allez me dire, ça va être bon. La mère. La mère, vous avez raison, regardez. Derrière ma maman, qui est donc votre choix? Derrière ma maman, il y avait cet extraordinaire, ce magnifique ensemble, télé, DVD, disque, d'une valeur de 12 000 francs. Regardez, 5 000 francs. Je suis très contente. Bon, ben, tant mieux. Vous êtes contente, la voiture était là. Malheureusement, personne ne la gardera. Heureusement pour vous. Merci à tous d'avoir été aussi sympathiques. Merci de votre générosité. Merci au public d'avoir été avec nous. Les filles. Hey, cet été, ça va être chaud. Chaud. En plus, les gaffettes, elles vous réservent une surprise pour cet été. Comment t'as voulu dire, ça va faire du bruit. Allez, on se